Et maintenant, j'invite à me rejoindre Monsieur Franck Besançon et Monsieur Gilles Duchanois. Je vais céder la parole à Gilles Duchanois. Donc, vous êtes ingénieur de formation, vous êtes professeur-chercheur à l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy, membre de la commission scientifique de Restaurant Notre-Dame, et c'est vous qui pilotez le programme scientifique universitaire de l'association. Alors, vous avez, entre autres, j'ai bien entre autres, travaillé sur la question de l'humidité du chêne, parce qu'effectivement, les arbres qui ont été abattus, qui vont servir à la construction de la charpente et de la flèche. Alors, cette humidité, au fil du temps, elle va s'atténuer. Qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur cette construction aussi monumentale ? Voilà, merci, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc je vais essayer de répondre à travers 8 minutes, donc très rapide. Les réponses sont forcément scientifiques, donc je vais essayer quand même d'éviter cette notion scientifique et d'essayer de vous expliquer assez facilement un peu cette problématique. Donc en fait, quand le bois perd son eau, il se rétracte, enfin tout le monde le sait, c'est réversible. Et en fait, ce phénomène-là est complètement identique à la température sur les matériaux, donc température qu'on a sur les aciers, sur les bétons. Et on voit bien que bon, l'échafaudage a montré que s'il était trop chaud, il s'était déformé et soudé. Donc les forces qui sont mises en œuvre sont très grandes, donc peuvent créer des gros dommages. Et par exemple, sur les bâtiments en béton, on fait des joints de dilatation pour qu'ils ne cassent pas, ou les ponts, on leur met des joints de dilatation aussi. Donc on va essayer de répondre à cette question-là. Et donc le travail universitaire à travers l'association, c'était donc d'essayer de monter des outils qui permettent donc de réagir et donc de dimensionner, de vérifier, d'aider à la décision en temps réel. Vous savez, on l'a assez dit, que retrouver les caractéristiques de la flèche et de la charpente, l'état des assemblages, etc., on avait beaucoup de documents, mais comme c'était brûlé, on avait peu de certitudes. Donc on a imaginé donc faire un travail de modélisation et de simulation de la réalité possible sur ce genre d'ouvrage, en mettant en place toute notre connaissance scientifique et numérique du moment. Voilà. Donc ça a commencé par choisir des outils qui sont d'ici, des outils qui viennent des États-Unis, où on peut en fait simuler et paramétrer en temps réel les structures, ce qui fait que si des décodes, des géométries ou des assemblages changent, on peut donc les changer très rapidement et en fait avoir tout le processus de simulation et de dimensionnement qui se fait directement en temps réel. Donc voici en fait ces outils. Donc là vous avez par exemple la ferme CERT où on voit tout de suite l'état normal à froid du dimensionnement. Elle était surdimensionnée, le bois travaillait au maximum à même pas 10%, mais en tenant compte uniquement des hypothèses d'unité civile bois actuelle. Donc là, toute la question maintenant, c'est qu'est-ce que c'est que la réalité de maintenant ? Qu'est-ce que c'est que notre connaissance ingénierie bois de maintenant ? Et puis on voit aussi la modélisation qui était faite de la flèche. Donc tout l'ensemble de cette charpente-là est maintenant modélisé, paramétré. Donc s'il y a un changement de côte, tout va fonctionner et tout va bouger en temps réel. Et le calcul qui va suivre derrière. Donc ça, c'est de la géométrie, c'est relativement facile. Le plus difficile, c'était en fait lié au problème des assemblages. Et les assemblages, en fait, ils ont des jeux, ils ont des raideurs. Et en fonction de leur qualité de fabrication, les jeux nécessaires au montage, et s'il y a un problème d'humidité, qui n'existe pas dans la construction au bois contemporaine, parce que la réglementation européenne nous interdit de créer des charpentes humides. Donc ces jeux de retrait peuvent amener en fait des mouvements trop importants, d'une part, donc créer des désordres, par exemple, de tachetés de toiture. Et un des problèmes aussi, c'est par exemple un exemple d'une poutre sur trois poteaux. S'il y a un poteau qui est trop court, le poteau ne travaille pas et les deux autres vont travailler plus que ce qu'on avait imaginé. Donc ce qui fait que ça peut très bien arriver sur un élément de la flèche où la charge va se traduire ailleurs que prévu.
Donc tout ça, on a mis tout un programme avec les étudiants d'école d'ingénieurs de France, dans plusieurs écoles d'ingénieurs, pour essayer de caractériser et mettre au point ces outils numériques de simulation. Voilà. Alors par rapport à l'eau, alors je ne vais pas rentrer dans le cas scientifique, mais en fait, la déformation due à l'humidité, elle dépend principalement de la différence d'humidité. Alors là, se pose un vrai souci, c'est l'humidité de départ, c'est-à-dire l'humidité de là où on va créer la poutre de bois. Donc là, pour l'instant, les arbres ont été coupés, commencent à être usinés, mais l'humidité est encore très haute. Donc en fait, elle serait non utilisable actuellement dans le calcul de charpente actuel. Donc on va avoir des bois assez humides, qui vont sécher au cours du temps. Donc on a fait des simulations de séchage dans les combles de la charpente en fonction de certains paramètres. Même on a même essayé de voir si on pouvait l'isoler ou aérer la charpente. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça va arranger les choses ou pas? Et en fait, en gros, hein, il faudra plus de 10 ans pour que la charpente se stabilise sèche si on met des bois ressuyés uniquement au niveau de la construction. Donc, qu'est-ce qui va se passer, ces retraits-là? Qu'est-ce qu'ils vont amener comme conséquence, comme désordre? Peut-être, a priori, ça se passera bien parce qu'on l'a fait. Hein. Par contre, ce qui nous imposait aussi, c'était de savoir est-ce qu'on a encore un taux de sécurité suffisant une fois que ça sera sec. Pourquoi? Parce qu'on a fait toute une étude climatique aussi pour pouvoir prévoir le climat dans 200-300 ans sur Paris, voir quels seront pour les vents qui vont arriver, s'ils vont être multipliés par 2 ou par 4. Si les vents sont multipliés par 2, la pression va être multipliée par 4. Donc tout de suite, on peut avoir des problèmes de tenue si le réchauffement climatique nous amène des vents supérieurs et ça peut arriver dans 200-300-400 ans. Et donc, on veut construire pour 800 ans. Et puis aussi, en fait, voir le comportement donc, sur cette durée. Donc, cette déformation-là, elle est nécessaire. Donc, les jeux vont être nécessaires, mais s'ils sont trop grands, ça va amener des désordres. Et puis aussi, peut-être, et ça c'est aussi un cas, on peut avoir un réchauffement climatique qui vont que les combles vont être très secs et amener des bois très secs, donc à moins de 7% d'humidité, ça c'est possible, et amener donc des ordres encore beaucoup plus grands de ce qu'il y avait là, ici. Donc pour ça, ben, il faut donc déterminer les caractéristiques des bois. Donc le chêne est connu d'un point de vue bibliographique, on a plus de références américaines que françaises, mais on a dû refaire des essais de retrait. Donc le retrait, on le voit, on peut le quantifier. Il est très non linéaire, donc ça veut dire qu'on a besoin de... Il y a un effet mémoire. Et puis, en fonction des méthodes de calcul simples ou pas simples, on peut prendre certaines hypothèses et là, on peut en fait tester en fait, la validité de ces hypothèses-là. Donc, ce que l'on voit, c'est que le retrait longitudinal dont la filière bois dit qu'il est négligeable, ben, il n'est pas négligeable. Hein, c'est du même ordre que les aciers avec la température, les bétons avec la température, et on ne construit pas sans tenir compte des variations d'humidité. Que les retraits transversaux qu'on connaît très bien, qui amènent des gerces de séchage quasi inévitables sur des bois de cœur, surtout sur du chêne, ben ces gerces-là, elles existent. Donc si elles ont été créées, c'est qu'en fait, ces contraintes sont... Ce stress est énorme, parce qu'il amène de la rupture. Donc on voit bien que sur les photos qu'on avait avant de la charpente, ben, le séchage de ces poutres-là avait créé beaucoup de fissures. Alors ces fissures, généralement, elles ne sont pas très graves d'un point de vue mécanique, mais elles s'affaiblissent, elles donnent une perte de raideur. Et puis, pour certains éléments, ça peut être aussi une grosse faiblesse. Donc, ceci doit être revérifié, parce qu'on a maintenant les moyens de vérifier. Voilà. Et puis, donc, de continuer. Alors, à partir de là, on peut commencer à faire des simulations. Si on ne fait pas attention, si on ne met pas de jeu dans des charpentes, comme imaginons, là, ici, c'est la ferme numéro 7, ben, on voit que dans d'autres travail qui n'est même pas 10% dans un chargement classique, normal, naturel, ben, si on ne laisse pas de jeu dans les assemblages, ben, on peut arriver à des taux de travaux qui dépassent la réglementation et en fait vont amener des désordres, soit graves, soit des désordres d'étanchéité, parce que c'est souvent ce qui va se produire pour une couverture.
Alors, il fallait donc caractériser ces assemblages. Les assemblages dans la charpente Notre-Dame et dans la flèche, il y en a beaucoup, énormément, avec des géométries différentes, avec des techniques différentes. Donc, on a besoin aussi, donc, d'une part, de déterminer les jeux de montage, les jeux de fabrication, mais ça... La filière depuis des années le savent, les compagnons savent maîtriser ça et ils savent les estimer. Par contre, estimer ces retraits, en fait, on va utiliser des logiciels de maintenant. Là, on prend le CASTEM, qui est un logiciel du CEA, donc l'énergie atomique, qui permet de modéliser tout ce que l'on veut comme matériaux et toute physique. Donc avec ça, on arrive à tenir compte du comportement assez réaliste des bois. Et par exemple, sur un tenon et une mortaise, on est capable de voir à travers un changement d'humidité comment se déforment le tenon et la mortaise, voir si ça crée des jeux, voir si ça coince, parce que il y a certains, si jamais par exemple le bois n'est pas trop de cœur, si la moelle est un peu décentrée par rapport au tenon, le tenon va tuiler comme un débit d'os, et en fait cet tuilage là va venir coincer le tenon dans la mortaise. Voilà. Donc en gros, c'est donc le comportement de ce que l'on fait. Donc, pour résumer au niveau universitaire, donc au niveau des écoles d'ingénieurs, en fait, on a des modèles numériques qui sont finis, au niveau testé et qui fonctionnent, qui ont avec un moteur réglementaire. Et puis, par contre, il faut maintenant déterminer mieux ce mouvement de bois d'un point de vue physique, parce que les chaînes de France, il faudrait les caractériser, parce que chaque essence est un peu différente. Et puis maintenant, retrouver les géométries et les assemblages que l'on va réellement réaliser, de manière à caractériser et quantifier tous ces jeux et ces retraits sur ces assemblages-là, parce que le nombre de paramètres est trop important. Voilà. Et donc, il faudra maintenant, à partir d'une décision de géométrie, recaractériser et faire tourner les modèles. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment.